Bon, les filles, j'ai un petit peu coupé parce que je voulais profiter de ma famille. J'ai été voir ma famille. Et vous savez quoi? J'aime trop ma famille. J'ai vraiment une famille de fou. Parce que ça se dispute, mais quand il y a des problèmes, tout le monde est uni. Voilà. C'est vrai, hein, maman? Non? Mais carrément. Et c'est très très important. Enfin voilà, ça m'a fait du bien. Là, je commence à être très faible, très fatiguée, comme dire ça n'est pas. Elle me manque. Je devais la voir là, mais je suis très fatiguée. Donc, je vais rentrer à la maison. Il y a les heures de pointe, c'est la rentrée, c'est la merde. Vraiment? Oh, putain, j'en peux plus. C'est pour ça que je parle même pas. Je suis concentrée pour pas m'énerver si tu dis que je suis très méchante. Ouais, vous savez c'est quoi le problème de ma mère? Oh, je suis nerveuse. Elle en est trop nerveuse en voiture. J'insulte tout le monde. Les filles, elle est pire que moi. J'insulte tout le monde. Vous avez vu comment je suis nerveuse? Et je vous jure, elle est pire que moi. Et moi je me dis putain, je dis maman arrête. Arrête. Elle fait chauffer. Maman, tu changes hein. Je vais essayer. C'est pour ça que je dis rien de plus tout à l'heure. T'as envie de l'ouvrir hein. Ça te démange. Ça me ronge de l'intérieur de ne pas insulter. Ça me fait du bien, tu vois. Maman, le bon comportement. Bon, allez, le bon comportement. Je dis rien. C'est pas toi et Saléha. Vous faites non, mais tu sais des morales, j'étais... de Attends. Remise en question, vous mettant en dépression, Saléha et toi. Pour qu'après, tu sais, toi, là où j'ai changé. Non, tu as changé. La prière, c'était apaisé. Ouais. Avant, j'étais hier, plus nerveuse. Tu hier, je faisais les courses. J'étais à la caisse. Ouais. Et j'attendais. C'est ton fantastique de ma mère. Non, j'attendais mon tour. Il y avait une nana, une mamie, elle vient normale. J'ai rien dit, j'ai souri. J'ai dit, elle jouerait son âge. Ah ben, c'est exactement, c'est le bon. Alors tout le monde a regardé. Maman, genre, je suis ta fille, j'ai pas à faire ton éducation. Voilà. Genre, tout le monde m'a regardé, genre, vous avez vu, elle vous a doublé. Et moi, je leur ai dit, ce n'est pas grave. Exactement, le bon comportement. Moi, les filles, j'apprends à avoir de la sagesse. Non, moi, j'ai relativisé. De la patience, parce que hein, je suis très impatiente. Non, toi, par contre, tu n'es pas patiente du tout. Oh, non, mais j'apprends. Voilà, moi, je trouve volant, pas que j'ai changé, maman. Ça commence à s'améliorer. Et que j'ai un meilleur comportement. Carrément. Et j'apprends à avoir un bon comportement, les filles. Voilà. Mais, et voilà, je sais que je manque le de sagesse. De la, non, de, c'est pas que tu manques de sagesse, tu en as de la sagesse. Non, j'ai bon cœur, mais parfois, je manque de sagesse, maman. Mais tu devrais temporiser. Oui, mais maman, je suis une hypersensible. Oui, ben ma mère, aussi. Elle comprend pas ce que c'est une hypersensible. Vous savez ah, ce que je fais que je le suis pas. Toute la... Non, mais toute la journée, je lui envoie des trucs sur l'hypersensibilité. J'ai un peu plus du coup. Pour qu'elle me comprenne, monde, parce qu'il y a personne qui me comprend. Tout le monde est hypersensible avec moi. Non, moi, je suis hypersensible. C'est pour ça que, en fait, je ressens les émotions des autres. Là, il y a eu un truc avec une de mes cousines. Je ne pouvais même pas savoir ce qu'on allait faire. Heureusement qu'elle n'était pas chez elle. Alors là. On est parti en équipe. Alors là, ça m'a en fait, ça ma tante, elle m'a raconté un truc et ça m'a mis le démon. Et en fait, j'ai ressenti la douleur de ma cousine. Et par protection, on allait toutes débarquer chez elle. Et elle n'était pas chez elle. Mort de rire.
Je me suis directement allongée sur le canapé parce que je suis fatiguée. Regarde, ma mère, elle fait quoi? Elle se prépare son O'Hari. Regardez là. Voilà, t'as regrossi, maman. Fais ta cure à fond. Ah ouais, ben écoute, je me suis fait plaisir cet été. Hein. Ouais, ouais, ben prends O'Hari. Non, là, ça y est. Mais même comme ça, t'es belle. Ça y est. Ouais, O'Hari. Tu vas voir dans un mois. Elle avait perdu 14 kilos en 2 mois, les filles, avec O'Hari. Ouais, en 2 mois, j'ai perdu 14 kilos, mais je vais refaire là. Ça c'est la cure que ma mère elle fait, donc c'est le Slim Chi. C'est très simple, vous portez à ébullition de l'eau, ensuite vous mettez 7 cuillères de thé, vous voyez c'est comme ça, c'est un thé qui est 100% naturel. Ensuite vous, oulala, vous éteignez le feu, ouais ça c'est moi, vous éteignez le feu les filles, vous laissez pendant 30 minutes comme ça et ensuite vous recouvrez pendant 2 heures. Ensuite vous remplissez votre bouteille. Et là, elle est prête pour la semaine, vous la mettez au frais et vous buvez 1 à 2 verres par jour. Si vous voulez perdre beaucoup de poids, c'est 2 verres. Si vous voulez perdre pas trop de poids, c'est 1 verre. Les filles qui veulent perdre du poids, c'est O'Hari. Les filles, c'est un thé qui est 100% naturel. Ça marche trop bien. Vous avez vu de vos yeux, ma mère, comment elle a maigri. Je vais vous rechercher, je vais vous remettre son avant-après quand elle était sérieuse, qu'elle faisait bien sa cure. Elle prenait 2 thés par jour, un le matin, enfin 2 verres de thé par jour. Un le matin, 1 le soir. Et moi, à chaque fois, les filles, je vous ai montré que je voulais perdre du poids. Je faisais ma cure O'Hari. Je prenais 1 verre par jour, moi. En une semaine, j'ai perdu 5 kilos. Wallah, les filles. C'est une dinguerie. C'est 100% naturel. C'est fait par un médecin en pharmacie. C'est vendu dans plein de pharmacies. Vous pouvez l'acheter directement en pharmacie. Ou alors, je vais vous donner un code promo avec le site internet. Allez, ma mère, elle essaye. Moi, j'ai un coup de pied. Elles sont belles, hein. C'est même pas la question, c'est même pas, c'est que c'est à cause de mon coup de pied. Ben, ma mère, elle a les pieds qui gonflent. Qui gonflent dès qu'il fait chaud. C'est... Fille, regardez ma mère comment elle a maigri. Montre comment t'as maigri. Ah, regardez. Combien t'as perdu de kilos? 14. En combien de temps? Je sais pas, on a commencé à Dubaï. En décembre. Donc, ça fait décembre, on est février, 2 mois et demi, un truc comme ça. Ouais, 14 kilos les filles, elle a perdu. Vous avez vu comment elle a maigri? Et t'as pris combien de thé par jour? De verre de thé. Deux. Ouais, en fait, moi, je lui prépare sa bouteille pour la semaine et elle en prend 2. Tu les prends quand? Alors, moi, je fais, je les prends une fois le matin et une fois en fin de soirée. Pas en fin de soirée, milieu de soirée. Voilà, et regardez comment ça a marché, comment elle a maigri. Et là, les filles, ils ont sorti un nouveau pack triple action. Ça, c'est pour toutes celles-là qui sont motivées pour la rentrée, qui veulent perdre beaucoup de poids rapidement, sans effet curatif. Je vais vous le montrer. Il y a le thé, vous allez voir, je vais tout vous montrer. Alors les filles, j'ai une offre O'Hari. Franchement les filles, faites-le, celles qui veulent perdre du poids, vous allez me remercier. Vous avez vu ma mère comment elle a maigri. J'ai 25% de réduction sur tout le site, hors accessoires et queue de cerise. Et pour le pack triple action, pour celles qui veulent vraiment maigrir rapidement, du coup, ils reviennent 60 € de 80 €, les filles. Je partage tout ça. Les filles, je commence à être KO technique, là. Merci. J'ai des médicaments. Attends, je me ramène le médicament. Ton chargeur. Merci, ma vie. Vous avez vu, les filles, j'avais l'avion demain matin. Je devais partir de chez moi à 7 h. C'est assez court, long. Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Parce que j'ai plus de batterie. Ouais, je mets la rallonge. Non, merci, ma vie. Elle s'occupe trop bien de moi, les filles. Alors, tu peux faire du jus? Je suis éteinte. De l'eau pour les médocs, s'il te plaît. Là, vraiment, j'ai plus d'énergie, les filles. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Ça me tue, là, ce que j'ai. Faut que je me repose, faut que je dorme. Ce qu'ils m'ont dit, les médecins. Je devais rentrer demain à Dubaï. Pas la force. Allez. Heureusement, j'achète toujours des billets. Merci. Vas-y, pose, je vais les prendre. Merci, maman. Heureusement, j'achète toujours des billets modifiables. Quand tu parles, je l'ai modifié 3 fois. Ouais, au moins elle s'occupe de moi jusqu'à que je rentre en forme à Dubaï, Inch'Allah. Ah non, tu rentres pas comme ça à Dubaï, de toute façon, il te reste que tu rentres dans cet état. Ouais. Tu te remets en forme après tu rentres. Non, Inch'Allah que ça va passer là. Les filles, j'ai plus d'énergie. Je remange pareil que tout à l'heure. Laisse. Il faut du fer. Comment tu m'as acheté que ça comme fer? Comment? Tu m'as acheté que ça comme fer? Comme eux? Comme fer. Non, demain, je vais t'acheter du foin. Je n'aime pas. Il n'y a pas d'idée, tu vas voir que ça va être un peu plus. Je prends du foin. Et des fruits secs, ici.
Ouais, noix de cajou, les... Ouais. Les noix. Aussi, vous savez que de manger des noix... Non, je suis prana là. De manger des noix. J'aime beaucoup les noix et les noisettes. J'aime trop. C'est bon pour le cerveau. Et ça ressemble à un cerveau. Ah bon, c'est non, c'est vrai. Maman, par Allah que c'est vrai, je m'en bats. Je vous jure. Demain, je vais t'acheter tout ça. Des noix, des zèbres, du foie, tout. J'en ai marre d'être malade, maman. Je suis. Mais ça arrive, je suis toute faible. T'as la marre. T'as tout ce que tu as fait, tout ce que tu as passé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que c'est? Zarma, elle parle arabe. Tu veux dire quoi? Non, dis hamdoulah, mais normalement elle a dit gouli hamdoulah. Tu veux dire quoi alors? Justement, tu dis hamdoulah. Hamdoulilah. Tu dis pas hamdoulilah, c'est pas grave. Hamdoulah. Il y a qui arrive, son pire. Ouais. Il fait trop chaud, maman. Il fait chaud, j'ai la clim à fond. Non, mais manger. Ça me brûle le palais. Fatigué. Non, mais dormir. Tu vas dormir après mon. Le temps de prier, après je vais dormir. Les filles, Chanel, il est prognate. Vous savez, c'est quoi prognate? C'est ceux qui ont les dents de d'en bas en avant. La mâchoire, pas les dents, c'est la mâchoire. Chanel! Viens, Chanel, viens, je te dis non, mais viens, mon fils. Non, mais l'habitue pas à vouloir me faire marrer. Non, là, non, mais attendez, je montre. Oui, maman. Oui, je te donne à manger. Ta gamelle, elle est pleine. Non, mais attendez, regardez Chanel. Non, mais c'est au repos qui le fait, là. Non, 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 il est frognat. Vous voyez que c'est dans. il est comme ça. Mon fils! Ah! Il va te mordre, ah, Maïva. Tu vas me prendre mon fils? C'est sûr que vous connaissez tous quelqu'un de prognat dans votre entourage. Comme ça. Comme Chanel. Moi, c'est Chanel. Coucou les filles, j'espère que ça va. Moi, ça va pas du tout, les filles. J'ai passé une très mauvaise nuit. Oh, merci, maman. Elle me ramène une nuit, quand même, ma mère. J'ai passé une mauvaise nuit. Ouais, pose-les, je vais les prendre. J'ai un état grippal. C'est-à-dire que c'est la première fois que je dors sans la clim. J'étais à la clim, j'avais trop froid. Je transpirais, quand j'avale, j'ai mal. Je me sens toute patraque. Je suis pas bien. J'ai un virus, je crois. Je suis attrapée froid ou quoi. Plus que j'ai eu, je sais pas, je comprends pas. Je suis très faible. Oui, oh là là, les filles, regardez qui c'est qui vient me dire bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, Chanel. Bonjour, mon amour. Bonjour, mon petit prognate. C'est un bon chien, ça. Je suis prête à c'est vraiment. Oh là là. Alors pour moi, ce matin, c'est pas de café, les filles. Parce que le café, ça fait baisser le fer. Donc, je prends des céréales. Alors que vous le savez, j'ai pas l'habitude de manger le matin. Voilà, un petit choc à pique. Bon, ouais, les filles. Là, ça va un petit peu mieux. Mais je me sens toujours pas de craque. Vous savez, j'ai fait quoi? Ça, je le fais quand j'ai un état genre grippal, patraque. J'éteins la clim, je ferme les fenêtres. Et je m'endors et je me couvre bien avec une grosse couette. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai énormément transpiré là quand je me suis rendormie. Je vais me rendormir peut-être 1h, 1h30. Et là, je vais me forcer, même si j'ai pas de force, à faire ma grande douche. Et après, vous verrez, je vais me sentir mieux. À chaque fois, je fais ça et je me sens mieux. Et j'ai pris mes médicaments aussi. Et j'ai rajouté un Doliprane 1000. Voilà, les filles. Je vais me forcer à me laver. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Voilà. Ah, Inch'Allah que je vais mieux, les filles. Oh là là, j'en peux plus. Heureusement que j'ai pas pris l'avion aujourd'hui. Je devais prendre l'avion aujourd'hui pour rentrer à Dubaï. Si je l'avais pris dans cet état, c'est simple, j'aurais refait un malaise comme j'ai fait un malaise la dernière fois à l'aéroport. Merci mon bébé. Ouais, c'est ce que j'ai. On dirait que j'ai la grippe. Je suis pas trac, j'ai un état grippal. J'ai chaud, j'ai froid. Quand j'avale, j'ai mal. Oh, faut que je me lave. J'ai la flemme de me laver. En fait, c'est même pas de la flemme, c'est que j'ai plus de force. Mais je vais le faire. Sinon, je vais demander à ma mère qu'elle me lave.
la femme de ma vie, de ma mounette. Est-ce que tu peux me laver, s'il te plaît? Je tiens pas debout. Ma vie, ma mère, elle va me faire la douche. Je l'aime, ma mère. En plus, là, elle fait... ma mère, elle est allergique au pollen et tout. Tout le temps, elle fait des crises d'allergie. Là, elle a une crise d'allergie peu chère. Après, ces médicaments. C'est quoi le médicament que tu prends, maman, pour les allergies? L'aïrus. Et moi, les filles, alhamdoulilah, eh ben, je suis pas sortie comme ma mère. Je suis allergique à rien. À rien. Rien. Ni au pollen, ni à des médicaments, ni à des aliments. Alhamdoulilah. Aïe, regardez ma tête. Allez, ma mère, elle va faire... Allez, j'aime trop quand ma mère est sautée de moi. Je fais le bébé. Elle me lave. Re, les filles, j'ai fait ma grande douche. Franchement, les filles, la technique, elle a trop bien marché. La technique de s'endormir sans climatisation, de bien transpirer et après faire une grande douche, les filles. Là, je suis en forme, là. Alhamdoulilah, je suis contente, les filles. Bref, les filles. Vous voyez, hier, je fais une story avec ma mère. Et je lui fais des bisous sur la bouche. Alors, les filles, il y en a qui m'ont dit, oui, Aïe, Maëva, t'es comme moi. Je me souviens, j'ai reçu un message d'une fille qui a chahoué, elle m'a dit, tiens, comment moi aussi j'embrasse ma mère sur la bouche et tout. Et d'autres qui comprenaient pas, oh, Arc, c'est dégueulasse. Ça, c'est ma communauté, genre, française. Mais en fait, les filles, moi, chez moi, c'est comme ça. Et pas que chez moi, les filles. Chez plein de personnes. Moi, ma mère, pour lui dire bonjour, je lui fais un bisou sur la bouche. Je n'ai jamais fait la bise à ma mère de toute ma vie. C'est comme ça. Et pas que ma mère. Quand je dis bonjour à ma grand-mère, à mes tantes, même à mes cousines, même à mes oncles, je leur fais des bisous sur la bouche. Même à mes neveux, on est comme ça. Genre dans ma famille, on est comme ça. C'est pas que chez moi. Par exemple, Saliha, elle aussi, quand elle dit bonjour à sa mère, elle lui fait un bisou sur la bouche. Même moi, les filles, la mère de Saliha, des fois, je lui fais des bisous sur la bouche. Vous voyez, c'est comme ma grand-mère, je meurs de elle. Je sais pas, c'est comme ça, les filles. Et par exemple, ma grand-mère, vous savez comment je lui dis bonjour? Je lui fais un bisou sur la bouche et après je lui fais un bisou sur le front. C'est comme ça chez nous, les filles. Voilà, donc les gens qui nous jugent, voilà, chacun ses coutumes, chacun il fait comme il veut. Mais en tout cas, moi dans ma famille, c'est comme ça. Donc je comprends pas ce que ça dérange. Moi, ben vous trouvez ça bizarre de smacker votre mère. Moi, je trouve ça bizarre des gens qui font la bise à leur mère. Voilà. Ma mère, je n'ai jamais fait la bise de toute ma vie. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Et pourtant, je vous juge pas. Chacun, il fait comme... Oh là là, la crème, elle a coulé. Bref, voilà, chacun fait comme il veut. Chacun a ses coutumes dans sa famille. Voilà, je suis pas la seule à faire ça. Et dans ma famille, c'est comme ça, les filles. Même, par exemple, la femme de mon oncle. Eh ben, quand je la vois pour lui dire bonjour, ma tante Caroline, eh ben, je la smaque sur la bouche. Je sais pas, il y a des gens qui trouvent ça bizarre. Ben c'est comme ça, je suis pas la seule. Je grandis comme ça, je sais pas, j'ai été éduquée comme ça. Voilà, en tout cas, les filles, ça m'a fait du bien. Là, je me sens mieux. J'ai fait une bonne douche, les filles. Là, je vais m'hydrater le corps avec ma broom. Je sais pas la qui mettre. Regardez, les filles. Celle-là, la musque blanche, j'en ai plus. Mais la marque, elle m'en a envoyé d'autres. Regardez, je ne vais jamais montrer le packaging. Voilà, comme ça, je les importe à Dubaï. Hop là, musque blanc, toute neuve. Mais là, en ce moment, bon, la musque blanc, c'est ma préférée, mais en ce moment, je sais pas, j'aime trop mettre la ambre, les filles. C'est la préférée de ma mère. Ma mère est là. Et ça, c'est trop pratique. Vous voyez, vous sortez de la douche, vous en mettez. En fait, c'est une brume hydratante et parfumante. Vous en mettez, ça prend 2 secondes. Vous voyez, vous pulvérisez à 10 cm de votre corps, comme ça sur tout votre corps. Après, passez la main et là, vous êtes parfumé et hydraté. Aïe, comment je me sens bien. J'ai fait ma douche, je sens bon. J'en mets vraiment partout, sur tout mon corps, les filles. Mes jambes, pareil.
Et c'est comme ça que je suis hydratée et que je sens bon. C'est toute ma vie, ça. Vraiment, les brumes B.O.M. c'est la meilleure invention qui existe. Parce que c'est pas comme toutes les brumes. Par exemple, j'ai les brumes... Je crois que je les ai données. Les brumes Victoria's Secret. En plus, elles sont que hydratantes. Parfumantes. Elles sont pas parfumantes et hydratantes comme celles de chez B.O.M. Et même la dernière fois, j'étais chez Sephora. Parce que tout le monde parle des brumes Sol de Janeiro. Je vous l'ai dit, les filles, wallah, je les ai toutes senties. Ah ben, je vous jure, j'aime pas. Je comprends pas la hype qu'il y a autour de ces brumes. En plus, c'est des brumes qui sont juste parfumantes. Elles sont pas hydratantes. Celles-là, les filles, aïe, l'odeur. C'est un truc de fou. En plus, elles hydratent, ça veut dire. En deux, voilà, vous sortez de la douche. Là, j'ai mon corps qui est tout hydraté. J'ai juste à en mettre là. Je vais pas le faire devant vous, je peux pas. C'est de la bombe. Et les filles, je suis malade. On est d'accord. Bon, là, ça va mieux parce que j'ai fait ma grande douche. Ça m'a fait du bien. Mais vous voyez, le sérum. Le girl power, ça c'est toute ma vie les filles, je peux pas m'en passer, ça c'est mon sérum préféré au monde, j'en mets, là les filles vous me regardez, on dirait même pas que je suis malade, alors quand on est malade, forcément on a le visage fatigué et tout, voilà, plus terne, la peau liftée, les pores resserrés, en plus dans celui-là il y a deux fois plus d'acide hyaluronique, bref, c'est toute ma vie. Bref, les brumes B.O.M. les filles, voilà c'est celle-ci, il y a trois senteurs. C'est les meilleures brumes au monde. Pourquoi les filles? Parce qu'elles sont parfumantes et hydratantes. En fait, à l'intérieur, il y a de l'aloe vera. Donc du coup, ça parfume et ça hydrate. Donc il y a trois senteurs. Il y a musque blanc, qui est ma senteur préférée. Il y a la ambre, qui est la senteur préférée de ma mère et que je mets en ce moment. Je sais pas, je l'aime trop. Et il y a la rose poudrée, celle-là, c'est la senteur préférée de Saliha. Les filles, je vous jure que c'est indispensable à avoir. Vous sortez de la douche, vous en mettez, ça vous prend 2 minutes à vous en mettre sur tout votre corps. Vous êtes hydratées les filles, une trop trop belle hydratation vraiment, et parfumées, vous sentez bon. Là vous voyez comment je sens bon, je peux plus m'en passer. Ça j'en mets tous les jours, vu que je me lave tous les jours, j'en mets tous les jours après la douche. Les filles, c'est toute ma vie, c'est la meilleure invention, parce que c'est pas comme les brumes parfumantes qui juste parfument. Elles parfument, en plus l'odeur elle tient trop bien, limite vous avez même pas besoin de mettre de parfum après, et elles hydratent. Donc vous avez le corps hydraté en 2 minutes les filles. Et l'odeur les filles, c'est une dinguerie. Les filles, regardez ma peau, comment elle est parfaitement hydratée et parfumée. En fait les filles, les brumes, elles sont composées d'aloe vera et d'huile d'argan. Et elles sont aussi parfumées. Et donc du coup pour l'utilisation les filles, c'est trop simple vraiment. En 2 minutes vous faites votre corps entier, vous êtes hydraté dans tout votre corps. Vous pulvérisez comme ça à 10 cm. Et après, vous passez la main, comme ça, partout. Voilà. Et là, vous êtes parfumé, hydraté. Aïe, comme vous sentez bon, les filles. Et l'huile d'argan, plus l'aloe vera. Oh là là, je vous explique même pas, les filles, l'hydratation. Regardez. Regardez ma peau. Regardez comment elle est hydratée. Regardez. Il n'y a pas de filtre, là. Les filles, vraiment, les brumes B.O.M., c'est un indispensable à avoir, les filles. Donc, je vous ai mis toutes les senteurs et tout ça. Et donc, j'ai un code promo, les filles. Mais il est valable seulement pour les 50 premières commandes. Faites vite, parce que ça va vite partir, 50 commandes. Donc, il est de moins 30%. Je vous balance l'offre. Les filles, il y a ma cousine, là, qui arrive, la poulie des Guénames. Je vais lui gratter qu'elle me fasse mes cheveux. Bref, les filles, petit unboxing. Comme on aime, je vous souhaite un petit cadeau, les filles. Oh, regardez comme elles sont trop belles. Je les ai déjà ouvertes. Hop là. Regardez. Oh là 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 là, regardez la couleur de ces chypres. Elles sont trop belles. Vous savez que j'aime trop les claquettes Hermès. Et des orangs. J'en ai beaucoup. Je les ai collectionnés. J'ai au moins 20 paires, les filles. Et là, je collectionne les chypres. Mais les chypres, elles sont très dures à avoir. Et là, c'est ma troisième. Et j'en ai recommandé une trop belle. Donc, ma quatrième paire. Oh, j'aime trop les filles. Regardez-moi cette couleur. Trop belle. J'aime trop. Voilà. T'es beau tata, regardez les filles, c'est le fils de ma cousine. Aïe tata, c'est le plus beau du monde. Tu l'aimes comment tata Maëva? Fort. Fort comment? Fort. Aïe, je t'aime. Tata, tu veux les bonbons? Tu veux quoi? Regarde. Non, il est gentil le chien. Qu'est-ce que c'est tout ça? Non mais c'est trop. Non mais je donne pas tout ça.
Non, c'est pour toi. Il te fait des bisous. Mais non, n'aie pas peur, c'est Chanel. Il te fait des câlins, il te fait des bisous. Non. Non. Hé, tu as dit hé. Il est trop mignon, Chanel. Tata, tu as grandi, tu es beau, tata, machallah. Il est gentil, les filles, ma cousine elle est arrivée, j'ai déjà dit tant mieux, je l'ai perquise pour le brushing, elle tire trop bien les cheveux. Alors ça c'est ma cousine Sinja, c'est la poule des Guénames, celle qui m'a hagal toute mon enfance, ouais. Qui voulait pas rester avec moi. J'ai abusé. Je l'aime, c'est ma grande cousine. Alors. Oh ouais, on fait un bisou à Tata. Tu l'aimes comment Tata? Fort. C'est qui le plus beau des Guénames? C'est moi. Viens faire un câlin alors à Tata. Dieu t'aime fort, tu es le plus mignon, le plus beau. Bah oui. Je veux un fils comme toi, aussi beau que toi, tu comprends? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit un secret. Il y a un velo de papa pour chez moi. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Ouais. Ah, j'ai compris. Attends, redis le secret, redis le secret. Il y avait un papa pour le vélo. Voilà, problème. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Oui, il est chez moi. Ah ouais? Oui. Mes vies sont venues me voir. Ça, c'est mon coup préféré, machallah, là où ma balèque. Je les aime. Et lui là, c'est mon cousin préféré au monde. Au monde. Et elle, ma belle cousine préférée au monde. Irremplaçable. Ma vie. Yanis, massacre tonton Yanis. Vas-y. Oh. Oh, il est trop fort, ouais. Ouais. Oh là. Oh non. Oh là là. Il a gagné. Oh, ouais. Et lui, il a fait l'accident de moto. Tu arrêtes avec la moto, c'est dangereux. Tu as fait quoi? Tu as cabré ou pas? Non. Comment tu as fait? Je suis pas cabré. Aïe, ah, pêcheur avec les béquilles et tout. Alaï, chef Fik. Tu es beau, enlève ta main. Célibataire ou pas? Ah, il est en couple. Oui, elle est trop trop belle, sa chérie. Je l'aime trop. Ça y est, les filles, ma cousine, elle m'a fini les cheveux. Je vais un peu mieux là. Là, il y a tout le monde à la maison, ça me fait du bien. Parce que je pars bientôt. La poudie. Une question, quand on se dit bonjour, qu'est-ce qu'on fait toi et moi? On se fait la bise? Non. On fait quoi? Sur la bouche. Voilà, on se smack. C'est comme ça dans notre famille. Tina, quand on se dit bonjour toi et moi, et c'est oui, ma belle cousine, oui. Ça fait, elle vient de rentrer dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? Bisous sur la bouche. Bisous sur la bouche. Voilà, on se dit bonjour comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas pourquoi ça vous dérange, on est comme ça. Tu sais que tu es le plus beau du monde, tu restes avec Tata? Il a fait quoi? Attends. Il a fait quoi ta maman? Rien, mon amour. On fait des câlins? Yanis, il est jaloux parce que tu fais des câlins à moi? Fais-lui les yeux à Yanis. Fais les yeux à Yanis. Non, mais. Fais les yeux à Yanis. Non. Montre. Non, fais aussi le câlin à Yanis. Oh ma vie. Oh. Tu l'aimes, tonton Yanis? Tu l'aimes comment, tonton Yanis? Fort. Fort comment? De tout ton cœur. Et tu vas aller faire le foot avec qui? Avec lui. Ah. Avec tonton, il va t'apprendre. Tu joues comment au foot? Hein? Montre-nous. Quoi ça, toi? Po. Tu es le plus fort du monde, toi. Regardez-moi. Fais voir. Je viens de voir la story de Maïva parce qu'elle m'a identifié. Où elle dit, ouais, ça choque certaines personnes parce qu'elle embrasse sa mère sur la bouche. C'est quoi qui vous choque? Moi, ma mère, je lui embrasse la bouche, le cou, les pieds, je lui embrasse tout. Il est où le problème? C'est ma mère. Elle m'a porté 9 mois. Je suis la femme que je suis aujourd'hui grâce à ma mère. Qu'est-ce qu'il fait? Always? T'as un problème? Tranquille, hein? Il fait quoi avec le tuyau, Yanis? Il arrose les plantes. Regardez-le. Waouh, tu es trop fort. Ouais. Mais là, tu arroses les plantes du voisin. Arrose, tata. Waouh, super fort. Maintenant, arrose Yanis. Oh, ouais, Yanis. Vas-y, Yanis. Non, n'aie pas peur. Vas-y. Oh, ouais. Non. Vas-y. Ah, tu cries. Je descends. Il a peur de Yanis. Je descends. Je te frappe. Je te mets la fessée. Non, tu mets pas la fessée. Tu mets la fessée, je te mets la fessée.
Regardez, j'ai reçu un nouveau kit Girl Power. J'en ai repris un pour Dubaï, les filles, comme ça je suis tranquille. Du coup, vous le savez que ma routine lève, je la fais une fois par semaine. Et on va la faire aujourd'hui ensemble. Donc là, on va faire la première étape. Du coup, les filles, Girl Power, déjà, ça sert à quoi? Donc le kit lèvres, ça sert à quoi? Ça sert à, si vous avez par exemple les lèvres qui se sont colorées parce que vous fumez, ou alors parce que vous buvez du café, vous avez les lèvres qui sont devenues violettes, avec la routine Girl Power, vous allez retrouver le rose naturel de vos lèvres. En une seule utilisation, vous allez voir la différence. Ça va enlever les gerçures, ça va repulper les lèvres et ça va redonner le rose naturel de vos lèvres. Donc c'est une routine complète avec trois étapes. Vous voyez, c'est noté étape 1, étape 2, étape 3, c'est le baume éclaircissant et hydratant. Je vais vous montrer comment c'est. Et du coup, vous allez avoir des lèvres de trop belles, les filles, avec le rose naturel. J'ai même plus besoin de faire le, vous savez, la coloration là en tatouage sur les lèvres, parce que une fois par semaine, c'est mon rituel, je fais ma routine Girl Power, les filles. Voilà, c'est vraiment une routine qu'il faut avoir pour éclaircir les lèvres, pour hydrater les lèvres, pour enlever les gerçures. Après, vous avez lèvres de fou. Regardez mes lèvres, c'est une dinguerie. Regardez, c'est trop bon, en plus c'est tout rose. On va le faire ensemble ici. Donc là, vous avez du coup la première étape. Donc la première étape, vous voyez, c'est écrit dessus. Donc en fait, c'est l'exfoliant. C'est ce qui va permettre d'exfolier vos lèvres et d'enlever donc toutes les peaux mortes de vos lèvres. Donc vous en prenez, regardez, un petit peu. Les filles, la routine, vous la gardez un an, ça dure super longtemps. Vous en mettez sur les lèvres, comme ça. Et ensuite, vous massez vos lèvres pendant une minute. Et là, ça va exfolier, ça va enlever toutes les peaux mortes, toutes les gerçures de vos lèvres. Voilà, comme ça. Et vous le faites pendant une minute. Là, adieu les gerçures avec l'étape 1. C'est une routine complète, les filles. Ensuite, les filles, vous avez l'étape 2 à base d'huile essentielle de citron et de vitamine C. Ça, ça va permettre d'éclaircir vos lèvres. Donc, c'est la deuxième étape. Voilà, je vous montre. C'est écrit hein, là-dessus. Et là, vous faites pareil. Vous en mettez un petit peu. Vous massez vos lèvres pendant une minute. Et là, ça va éclaircir et en même temps hydrater. En fait, regardez. Lui, c'est beaucoup plus compact. L'autre, il est tout liquide. Lui, c'est compact. Et en fait, à l'intérieur, les filles, vous avez des petites billes. Vous voyez les petits trucs marrons, là? C'est des billes. Et en fait, quand vous allez appliquer comme ça sur vos lèvres et faire des mouvements circulaires et masser, les billes, elles vont s'éclater. Vous allez le sentir. Je vous jure, c'est trop agréable. Et là, vous voyez, ça se transforme en huile. Parce qu'il y a de l'huile essentielle de citron et de vitamine C dedans. Et du coup, ça éclaircit et ça uniformise la couleur de vos lèvres, la deuxième étape. Ça sent trop bon, les filles. J'aime trop. Non, vous massez. Donc, une minute. Ah là, mes lèvres, elles sont toutes belles, les filles. Voilà, j'ai plus de gerçures. Elles sont toutes roses et vous allez voir en une seule utilisation, vous allez voir la différence. Et après, vous le faites une fois par semaine comme moi. Et là, nous avons la troisième et dernière étape. Donc, c'est le baume hydratant et éclaircissant. Donc, vous en mettez en dernier et vous pouvez en mettre tous les jours, les filles. La journée, le soir avant de dormir. Il est trop bien, les filles. Voilà, vous en mettez un petit peu sur vos lèvres et là, vous allez avoir les lèvres hydratées et éclaircies parce que. Il est 2 en 1. Et là, j'ai des lèvres toutes roses, toutes belles, sans gerçures. Et plus besoin de faire le tatouage. Voilà, ça, c'est la routine complète pour avoir des belles lèvres, pour avoir de coloration sur vos lèvres et tout ça. Les filles, là, j'ai des lèvres incroyables. Là, c'est vraiment, je suis obligée de le faire une fois par semaine. C'est vraiment ancré dans ma routine. Et après, de chez Girl Power, les filles. Le sérum liftant, le sérum magique de chez Girl Power, vous me voyez, je l'utilise tous les jours. Ça, c'est un indispensable. Je vous explique, les filles. Il va venir lifter le visage instantanément. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches. Les filles, c'est comme ça que j'ai la peau tout le temps bien réveillée, bien liftée. Et à force de l'utiliser, votre visage va rester lifté. En plus de ça, il va resserrer les pores. Il est incroyable, c'est le meilleur sérum au monde. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches, les filles. Quand vous l'appliquez, vous allez sentir que ça va chauffer, c'est normal. Et après, quand vous allez vous habituer, parce que moi, je l'utilise tous les jours, ça va passer, vous n'allez même plus vous en apercevoir que ça chauffe. Et ça, c'est le nouveau
Et en fait, dans le nouveau, c'est une nouvelle formule, il y a deux fois plus d'acide hyaluronique. Ça, c'est l'ancien, les filles. Et ça, c'est la nouvelle formule. Deux fois plus d'acide hyaluronique. Donc, le packaging, il a un petit peu changé. Et du coup, il est encore mieux qu'avant. Donc, il va venir hydrater, lifter, enlever les cernes. Là, comme vous avez des rides ici, ça va les enlever, les rides d'expression. Les cernes, pareil. Vous en mettez aussi au niveau des pommettes, comme je fais, ça va vous lifter le visage. Et plus vous êtes âgé, plus ça marche. Même si je suis jeune, je le mets tous les jours et j'ai une peau de fou. Le sérum magique de chez Girl Power, il vous le faut absolument. Les filles, franchement, tous les produits Girl Power, je vous les recommande. Les produits que je vous ai parlé. Donc, le sérum magique et le combo lève, les filles. Il vous le faut absolument, ces deux produits dans votre routine. Là, les filles, j'ai un gros code. Donc, faites votre stock maintenant. J'ai 40% de réduction. C'est énorme. Et ce que je vous recommande, c'est les packs, les filles. Parce que dans les packs, quand ils mettent des packs, il y a déjà des réductions. Et en plus de ça, vous associez donc mon code promo de moins 40%. Donc, ça fait vraiment un bon prix pour vous. Et vous allez voir, vous allez me remercier. Je vous balance l'offre. Les filles, heureusement que je suis pas rentrée à Dubaï. Ma mère et ma femme, je s'occupe de moi parce que je suis malade. Je l'aime trop. Alors moi je rentre en forme. Et par contre j'ai vu là, oh, je peux plus, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, après ça se retrouve en polémique. J'ai dit que ma mère elle m'a lavé ce matin, je suis malade. Et alors que ma mère elle me lave, moi aussi ma mère demain elle est malade, je vais la laver. C'est ma mère, si elle s'occupe pas de moi, qui c'est qui va s'occuper de moi? Non mais vous me fatiguez, les gens. Pas vous hein, mes vies, mais les gens sur le net, ils me fatiguent. J'ai dit que tu m'as lavé. Et alors c'est quoi leur problème? Merci, pourquoi tu t'occupes de moi? Moi je m'occupe de toi. Ma mère elle est là pour se. Merci. Et bien les gens. Ah, sa mère elle la lave. Non, moi je peux plus. Je peux pas me les voir les gens, c'est pas possible. Je te jure, maman. Ils peuvent pas me fermer leur gueule. Je peux plus, moi aussi. Tu m'as fait quoi ma vie, ma femme. T'as fait quoi ma vie? Je t'ai fait un mustec pour ce qu'il y a du fer. Et je t'ai fait des raviolis aux champignons. Merci ma vie. Merci. Les filles, regardez, ma mère, elle m'a fait des raviolis à quoi, maman? Aux champignons. Aux champignons, à la crème, avec un bistec. Merci, ma vie. Je suis malade, je suis en train de crise d'allergie. Ouais, je vous l'ai dit. Ma mère, elle m'a fait crise d'allergie. Voilà. Je suis très mal. C'est trop bon. Et il y a Claire qui te demande comme de me gratter à manger. Ouais, là, il va gratter à Chanel. Moi, mais il va te gratter à toi. C'est un gros gratteur. Je sais, c'est pas grave. Il faut pas lui donner l'habitude, hein. Tu donnes pas. Non, je donne. Non, tu donneras à la fin. Il faut pas qu'il t'aimante. Tiens, Chanel. Oh putain, tu fais chier. Tiens. C'est trop, trop bon. Ma mère, elle fait une sauce à la crème. Comme c'est bon. Elles sont bonnes ces raviolis, t'as acheté où à Grand Pré? Quoi donc? Les raviolis. À Auchan, j'ai acheté, tu sais, c'est la marque, je sais plus quoi là. Elles sont c'est raviolis aux champignons, et après tu les fais, c'est 2 minutes, et après tu fais une sauce à part et tu mets par-dessus. C'est trop cool. Tu sais que la burrata qu'on a acheté, tu as toujours pas mangé. Non. J'ai oublié de la faire. Je vais te donner Chanel. Laisse-moi, je mange un petit peu. Il faut du fer, il faut que je mange du foie aussi. La chance qu'on a, c'est que les bouchers sont vers 22 dimanche. Là, je peux pas. Là, d'ici 5 minutes avec Yanis réparer la piscine, là, par rapport à ce que c'est inondé, faire le trop plein. Regarde, je suis en crise. Je t'ai fait que je te faisais de rien, maman. Ah, ma mère, quand elle fait ses crises d'allergie, elle est vraiment pas bien. D'allergie, pardon. Je suis malade, elle est malade. Tu veux que je te fasse quelque chose, ma vie? Non, je suis au troisième maillot, je peux plus rien faire.